La semaine a été mouvementée par plusieurs actualités en termes de sport, mais Samedi Sport a réservé pour vous deux. Deux seulement parce que ce sont deux sujets qui parlent de manière similaire et surtout qui ont fait baver la toile concernant, en tout cas, les distinctions que devraient recevoir et que doivent recevoir le joueur africain et aussi au niveau international, le ballon d'or France Football qui a fait jaser la toile. Raison pour laquelle nous sommes revenus ce soir avec les deux sujets. Glocaf Award et France Football qui avait décerné lundi dernier le ballon d'or pour le compte mondial, pour le compte du sommet du football. Et pour cela, nous avons invité deux analystes pour parler de ces deux sujets. Les sujets qui vraiment ont fait parler la toile, raison pour laquelle nous sommes revenus avec peut-être plus d'éléments, peut-être plus de détails, peut-être aussi plus de précisions afin d'éclairer la lanterne au sujet et autour de ces deux thématiques. Grâce Diakoubama, bonsoir. Bonsoir Joyce et bonsoir aux téléspectateurs. On salue aussi les téléspectateurs parce qu'ils sont nombreux à nous suivre. Exactement. Ils sont toujours là, ils sont fidèles à rester branchés chaque samedi à partir de 20h50 pour suivre nos émissions. Mais malheureusement, vous allez être bref pendant 30 secondes pour vous dire votre ressenti après que la nouvelle est basculée à quelques heures de la remise du Ballon d'Or. Vinicius qui perd cette occasion. Ça sera peut-être difficile de reconquérir ce trophée pour les années qui vont suivre. Il est encore assez jeune à lui de rester constant et puis performant pour aller encore chercher ce trophée, bien que ça a basculé dans les dernières heures. Bon, c'est ça aussi, hein, le football, la vie d'un sportif. À un moment donné, il faut accepter aussi de perdre pour gagner un jour. Et je pense que Vinicius a encore l'âge pour aller chercher ses trophées. Allez, on y reviendra avec force et détails. Mais de l'autre côté, c'est monsieur Patrick Bouéret qui va également participer à ces débats pour parler, bien évidemment, de ces deux sujets, les deux thématiques qui ont fait vibrer, en tout cas, la semaine qui s'achève. D'ailleurs, ce soir, qui s'achève avec Samedi Sport, les main events sportifs de la semaine. Le Ballon d'Or France Football, on va dire catastrophe. Bonsoir d'abord à vous, Jason Kaye également. Bonsoir, vous saluer. Oui, bien sûr, j'essaie, je vais arriver. Bonsoir également à Grâce Diakoubama et aux amis téléspectateurs qui nous suivent. C'est un sujet très important puisque ça fait plus de 5 ou 6 ans comme ça que ces récompenses sont vraiment décriées à plusieurs reprises et les moments choisis, c'est les bons moments également pour nous d'en parler puisque on doit quand même savoir, on doit analyser pourquoi est-ce que ces récompenses aujourd'hui sont décriés et parler des critères pour essayer au moins d'expliquer le pourquoi, par exemple, de ces informations, de ces actualités qui continuent à enfler la toile. Donc moi, je pense que c'est vraiment un sujet très, très important puisque on a parlé de beaucoup de choses, on a parlé des racismes et tout ça. Je pense que revenir sur cette actualité pourra nous permettre de mieux analyser ces deux thématiques. Pour laquelle nous avons fait appel à vous parce que nous savons que vous êtes capable de satisfaire le téléspectateur et j'espère très bien que vous, de l'autre côté, de l'autre côté de la maison, vous serez satisfait des analyses, des éléments que nous ont rapporté nos deux analystes de la soirée, ladies and gentlemen. On va ouvrir notre émission ce soir avec cet élément, d'abord concocté par Samuel Moutoni et Claudia Mamboula, qui va annoncer le premier sujet de la soirée, la récompense au niveau de la CAF. On se retrouve juste après. La Confédération africaine de football a annoncé les nominés pour les CAF Awards 2024. Et l'excitation est palpable à l'approche de la cérémonie prévue le 16 décembre à Marrakech, au Maroc. Cette année, plusieurs athlètes congolais se distinguent dans différentes catégories, mais ils ne seront pas seuls dans la quête de la reconnaissance. Chancel Mbemba, défenseur de l'Olympique de Marseille, est l'un des prétendants au titre de joueur africain de l'année. Il est accompagné sur la liste d'autres grands noms du football africain, tels qu'Achraf Hakimi du Maroc, joueur du PSG, ou l'actuel sociétaire des Galatasaray, le Nigérian Victor Osimhen, rendant la compétition extrêmement serrée. Lionel Passy, gardien des Rodez, a également reçu une nomination dans la catégorie gardien de but de l'année. Il fera face à une forte concurrence avec des gardiens tels que Ronwen Williams, le Sud-Africain de Mamelodi Sundowns ou le Camerounais de Manchester United, André Onana, qui ajoute encore plus de tension à cette catégorie. Dans la catégorie entraîneur de l'année, Florent Ibengue et Sébastien Desabre représentent la RDC. Ils se mesurent à des entraîneurs renommés comme Pedro Gonçalves,
sélectionneur d'Angola, ou l'Ivoirien Emers Faye, qui ont également réalisé des exploits significatifs au cours de l'année. Les CAF Awards 2024 ne se limitent pas seulement aux nominations congolaises, le palmarès est rempli des talents issus de tous les continents, créant une compétition intense. Chaque prix sera discuté et chaque catégorie promet d'être un véritable affrontement entre les étoiles du football africain. Alors que le grand jour approche, les questions se multiplient. Qui parmi ces nominés parviendra à s'imposer face à une concurrence aussi redoutable? Les athlètes congolais réussiront-ils à décrocher l'un des titres tant convoités ou seront-ils éclipsés par les géants du football africain? Les résultats des CAF Awards 2024 s'annoncent passionnants et tous les regards seront rivés sur Marrakech pour découvrir les différents vainqueurs de cette édition très disputée. Nous sommes de retour sur ces plateaux pour débuter notre émission de ce soir. Le CAF Awards 2024 qui va se dérouler au niveau du Maroc. La RDC a ses représentants dans quatre catégories. Et voilà, on va parler de là où s'est placée la RDC avec différents représentants. On va d'abord commencer au niveau des entraîneurs. L'entraîneur Sébastien De Sabre, Grace Diakoubama, qui figure parmi les meilleurs entraîneurs qui pourront peut-être. Il pourra, peut-être, si je veux me singulariser, remporter ses trophées, au vu aussi de ses statistiques, au vu de ses prouesses avec l'équipe nationale de la RDC. Mais une question qui vient à point nommé, est-ce que le fait d'être sélectionneur de la RDC ne pourra pas être un frein pour lui d'accéder à ses trophées? Ah, bah, je trouve pas, parce que voilà, si Sébastien Le Sabre, ses performances parlent à sa place, je pense qu'il peut aussi gagner ses trophées, mais il faudrait aussi regarder, hein, dans ce cercle fermé, il y a des entraîneurs qui ont fait aussi la pluie et les beaux temps avec leurs équipes nationales, mais aussi leurs clubs respectifs, et c'est vraiment un trophée qui sera disputé, amplement disputé entre Sébastien De Sabre et ses collègues entraîneurs africains. Et donc le fait d'être l'entraîneur de la RDC, ce n'est pas un frein pour lui de remporter ses trophées, parce que c'est aussi un monsieur qui a des performances, qui a des statistiques énormes avec le Léopard de la RDC. Vous avez vu ce qu'il a eu à réaliser lors de la récente Coupe d'Afrique des Nations, où on partait sans connaître un tout petit peu l'objectif de la RDC dans cette compétition, mais du coup on se retrouve au niveau de demi-finale. Et vous sortez quatrième, et après la suite logique en termes de éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, vous avez 8 victoires en 8 matchs, ça énorme. Je pense qu'il faut remonter vers le temps pour voir un entraîneur de la RDC, surtout un sélectionneur de la RDC, réaliser ces genres de statistiques. Je pense que c'est sur base de ces genres de prouesses qu'il est retenu dans cette liste. Mais bon, il faudrait regarder jusqu'à la fin, hein, suivre à Marrakech ce qui va se passer pour voir si Sébastien De Sabre va remporter ce trophée ou pas. Suivre si Sébastien De Sabre va remporter ses trophées. On va peut-être se baser sur les statistiques au niveau des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 et aussi Maroc 2025. C'est basé sur les éliminatoires de la Coupe du Monde qui va se jouer au niveau de l'Amérique, États-Unis, Amérique, États-Unis d'Amérique, Canada et Mexique. Pour se baser sur les chances de Sébastien De Sabre, si peut-être il pourra remporter ce trophée devant de multiples entraîneurs qui ont aussi réussi leur prouesse au niveau africain. On va dire comme ça, Sébastien De Sabre, ça sera 18 matchs joués pour les trois compétitions, les trois événements que j'ai cités, pour 12 victoires, 4 matchs nuls et 2 défaites. Ça, c'est largement au-dessus de la moyenne. C'est assez sûr. Est-ce que vous pensez que on peut se baser sur ça, parce que ça se passe aussi au niveau des votes. Est-ce qu'on peut se baser sur ça pour attribuer ces trophées à Sébastien De Sabre? Il est en train de remplir vraiment, je dirais, deux critères parmi les trois pour décerner ou pour avoir ces prix. On parle de la personnalité. Je commence par là, la personnalité de l'entraîneur. On connaît les tempéraments, on connaît la personnalité de Sébastien De Sabre, qui est devenu un sélectionneur important parmi tant d'autres au niveau continental, parce qu'il n'a pas eu qu'à entraîner la RDC. Il a été également du côté de l'Ouganda, si je ne me trompe pas. Il a déjà réussi à faire sa place. Il a marqué sa personnalité au niveau du continent
africain avec ce qu'il a fait. Sur ces points-là, il n'y a pas débat. En termes des résultats aussi, vous avez bien mentionné 2 défaites seulement parmi toutes les rencontres jouées et surtout son impact avec la République démocratique du Congo. Il a pris une sélection qui était au bord de l'élimination lors des éliminatoires pour réussir à ramener une qualification et puis faire une brillante participation au moment où on s'imaginait pas voir la RDC aller jusqu'en demi-finale de cette Coupe d'Afrique des Nations. Il a réussi quand même à amener la RDC jusqu'à ces niveaux. Et lors des éliminatoires de la Coupe du Monde, il n'est pas non plus très loin du Sénégal, qui a été vraiment favori de ces groupes. Il n'est pas très loin non plus du Soudan, qui est leader de ces groupes où la RDC se trouve. Et maintenant, là où Sébastien Desabes n'a pas peut-être la faveur pour aller shipper ces trophées, c'est l'effet de ne rien remporter comme trophée avec la République démocratique du Congo, contrairement aux autres sélectionneurs, puisque là, on parle bien sûr des résultats, mais il n'a pas réussi à remporter une compétition majeure pouvant le permettre d'accroître encore son impact avec notamment les autres sélectionneurs qui sont là. Je vois les sélectionneurs de la sélection ivoirienne et les autres qui ont remporté par exemple la Ligue des Champions de la CAF avec Al Ahly de l'Égypte et les autres aussi qui sont en train de faire un très très bon travail, je pense aux sélectionneurs angolais. Donc je me dis que s'il avait remporté une compétition avec la République démocratique du Congo, ça aurait été encore un atout majeur pour le permettre d'aller glaner ses trophées. Pour le permettre d'aller glaner ses trophées, il n'est pas seul sur cette liste, ils sont à 10. Il s'agit bien évidemment de Pedro Gonçalves, sélectionneur de l'Angola, comme vous l'avez voulu mentionner, Ibrahima Traoré, sélectionneur du Burkina Faso, Emers Faye, sélectionneur de la Côte d'Ivoire et champion d'Afrique, Sébastien Desabes de la RDC, José Gomez, l'entraîneur de Zamalek, champion de la Coupe de la Confédération et super champion d'Afrique, Marcel Kohler, l'entraîneur de Al Ahly d'Égypte, qui est aussi champion de la Ligue de Champions. Il y a Chiquinho Kondé, l'entraîneur, les sélectionneurs de la Mozambique. Il y a également Hugo Bros, sélectionneur de l'Afrique du Sud. Il y a Kwesi Appia, sélectionneur du Soudan. Et comme nous sommes au Soudan, il y a un autre Congolais qui est sélectionné parmi les 10, qui est entraîneur de Al Hilal Omdurman du Soudan, Florent Ibengué. Mais est-ce que vous pensez que il a sa place parmi les 10? Bah, récompensé à juste titre dans ce qu'il est en train de faire avec cette équipe de Al Hilal Omdurman. Vous le savez comme moi, ça fait un temps, plus de 2 ans, qu'il n'y a pas championnat au niveau du Soudan. Et Florent Ibengué arrive quand même à qualifier cette équipe-là au niveau de 8e de finale de la Ligue des Champions et surtout à rester constant, performant, à être régulier au niveau des interclubs de la CAF. Raison pour laquelle il se retrouve dans cette liste. Voilà, comme Patrick l'a dit un tout petit peu, je vais essayer quand même de le paraphraser. Le péché de Florent, peut-être aussi de Sébastien Desabes, c'est aussi le fait qu'il n'a pas aussi gagné des titres jusque-là avec cette équipe de Al Hilal Omdurman. Mais pour moi, c'est déjà une véritable récompense, le fait de se retrouver dans ce cercle fermé de 10 meilleurs entraîneurs du continent. Mais vous pensez pas qu'il y avait d'autres entraîneurs qui pouvaient également figurer sur cette liste, qui ont peut-être mieux fait, l'entraîneur de Mamelodi Sundowns, même s'il n'a pas joué la finale, mais quand même, la formation est allée loin, puisque Ibengué, comment Ibengué peut se retrouver là? Un entraîneur qui a joué les demi-finales de ses retours. On veut simplement se poser la question, savoir pourquoi Ibengué sur cette liste? Sur base de quoi? C'est ce que je suis en train d'expliquer. Le problème avec, peut-être, d'autres entraîneurs que, si on prend l'exemple de Mamelodi Sundowns, c'est une équipe qui est régulière aux interclubs de la CAF, bien sûr, habituée aussi à gagner des titres. Par exemple, la Super League, c'est Mamelodi qui l'a gagné, c'est un élément pour eux. Il y a aussi le championnat, il y a la Ligue des Champions qu'il faudrait prendre en compte. Mais pour Ibengué, c'est aussi une exception, quand on dit que c'est toujours l'exception qui confirme la règle, d'où avec Ibengué, c'est un cas particulier, il n'a pas de championnat, mais il reste performant au niveau des interclubs de la CAF. Comment? Au niveau des interclubs de la CAF, il a été éliminé en phase de groupe.
Comment vous parlez? Il arrive quand même à qualifier l'équipe à 3 reprises au niveau de 8e de finale. C'est énorme lorsque vous n'avez pas de championnat et vous jouez des équipes qui vous joue le championnat régulièrement et vous arrivez quand même à vous qualifier pour le 8e de finale. C'est quand même énorme. Je sais pas, à Paris Bengue, qui peut-être le faire sans championnat? 3 ans comme ça, donc je pense que c'est une véritable récompense au niveau de la CAF. Ne me faites pas entrer dans cette polémique là avec avec Mamelodi Sundowns et autres. Comme je l'ai dit, c'est toujours il y a toujours de cas comme ça. Même si on a évoqué le Ballon d'Or au niveau de l'Europe, il y a eu un cas particulier avec Rodri aussi qui a remporté ce Ballon d'Or. Raison pour laquelle on voit aussi Florent Ibenge entrer dans cette liste, même de manière miraculeuse, mais voilà, ça arrive toujours et ça réjouit hein, pour on le va revenir congolais. Sur déjà avoir dossiers. Deux entraîneurs comme ça, Florent qui est un vrai congolais et a aussi un sélectionneur national de la RDC, Sébastien Dessart. On reviendra sur ce que vous venez d'évoquer sur Pedri en long et en large, monsieur Patrick. Est-ce que vous pensez que Florent Ibenge mérite de se retrouver sur cette liste alors qu'il y a plein d'entraîneurs au niveau africain qui se sont battus pour au moins se retrouver dans le top 10? Ben lui, on veut simplement savoir sur base de quoi il se retrouve là, alors que même si on veut se baser seulement de ses performances au niveau de la Ligue des Champions, c'est pas le top 5 de meilleurs entraîneurs. En réalité, en termes des capacités, des connaissances de l'entraîneur, je ne m'en doute pas de le voir parmi les 10 meilleurs. On aimerait voir au moins ouais, bien sûr. J'allais d'ailleurs en venir. Vous avez parlé de Mamelodi Sundowns, alors que non loin de nous, on a quelqu'un qui a battu un très grand travail. On a parlé de la Super Ligue africaine pour Lamine Diaye, demi-finaliste de la Ligue des champions de la CAF, champion de la Ligue nationale de football. C'est aussi un parcours immense, mais on peut pas quand même retrouver tout le monde mais le méritant ouais, bien sûr méritants, les, bien tous sûr. Les méritants oui ouais. Bien sûr, mais la liste est longue. On a cité des sélectionnés ici parce qu'on les dit toujours, lorsqu'il y a une compétition continentale qui se joue cette année-là, ça penche la balance en fait en faveur de cette compétition continentale et on a vu que tous les sélectionneurs qui se sont distingués lors de la Coupe d'Afrique des Nations figurent parmi les top 10 de cette CAF Award, sauf le sélectionneur du Nigeria. Ouais, bien sûr bon ça aussi c'est parmi les surprises, c'est parmi les surprises c'est parmi les surprises qu'on disait d'ailleurs à côté. Mais moi je pense que parmi les autres propositions, parmi les autres mérites que la CAF aime bien mettre en valeur, c'est aussi ça, les côtés humanitaires. Grâce l'a bien souligné, c'est quelqu'un qui est en train de travailler dans des conditions si difficiles. Peut-être que pour la CAF, pour avoir une reconnaissance par rapport à ce que fait Florent Ibenge sur le plan humanitaire, parce qu'il travaille dans des conditions, je les répète, très difficiles. Il travaille loin du Soudan, qui est les pays de son club. Donc la CAF travaille des fois dans ce genre de conditions pour mettre en valeur ceux qui travaillent dans des situations difficiles. On sait que le continent africain, c'est un continent qui est déchiré par des guerres, par des situations humanitaires. Loin de moi de parler de cette situation ici, mais je sais que la CAF des fois arrive à mettre en valeur ce genre de situations, quelqu'un qui travaille dans une situation humanitaire très compliquée. Et ça peut également être comme un modèle, parce qu'on sait que en Afrique on aime bien prendre des modèles, et la CAF peut mettre Florent Ibenge comme un modèle pour permettre aux autres sélectionneurs d'y croire, même dans des situations difficiles. Il faut travailler, grâce à la souligner, même si c'est pas des résultats vraiment attrayants, mais quand même dans ces genres de conditions on peut saluer. Voilà pourquoi c'était important d'en parler, pour peut-être éclairer la lanterne de nos téléspectateurs sur la présence de certaines figures sur différentes listes de ces CAF Awards 2024. On va passer sur le Player of the Year, le meilleur joueur de l'année au niveau de la CAF. Il y a également 10 présélectionnés. On va parler comme ça des Amine Gouiri, le joueur de l'Algérie et de Stade Rennais. On va parler également de Edmond Tabsoba, joueur du Burkina Faso et de Bayern Leverkusen, qui a joué la finale de la Coupe de la Confédération, de l'Europa League et champion d'Allemagne sans défaite. On va parler de Simon Adingra,
finaliste et champion d'Afrique, et aussi joueur de Brighton, Chancel Mbemba Mangula, avec tout ce que nous connaissons de lui, joueur de Marseille et capitaine des Léopards. Il y a Serou Guirassy, joueur de la Guinée. Il y a Achraf Hakimi, joueur du Paris Saint-Germain et du Maroc. Soufiane Raimi, joueur du Maroc. Il y a également Ademola Lookman, joueur des Atalanta de Bergane et du Nigeria. Il y a William Tross Ekong, joueur capitaine du Nigeria. Et enfin, Ronwen Williams, capitaine de l'équipe nationale de l'Afrique du Sud et capitaine de Mamelodi Sundowns. Grâce à Diakoubama, une liste. Ben oui, on doit parler d'une liste. Est-ce qu'à ces niveaux, on a les choix ou la liste, on peut dire, est bien faite? Ah oui, avec si on regarde les performances de joueurs durant de l'année dernière, la saison d'abord, si on commence 2023 jusqu'à 2024, ce sont des joueurs qui sont très bien comportés avec leurs clubs respectifs. Si vous prenez d'ailleurs, est-ce que vous pensez que tout le monde s'est bien comporté avec leurs clubs respectifs? Ben oui, si vous prenez, c'est ce que j'étais en train de dire. Prenez Lookman. Le Nigérian, ce qu'il a abattu avec Atalanta, c'est énorme. Il a marqué, je pense, un triplé contre Marseille en demi-finale. En demi-finale de l'Europa League. Vous avez un gars comme Williams. Williams, d'ailleurs, ce n'est plus un gardien à présenter. Et aussi, c'est lui sur qui a marqué, je crois, un doublé en finale pour crucifier Xabi Alonso. Tout à fait. Et vous avez Williams, un gardien qui n'est plus à présenter sur le chiquet continental. Il y a aussi Adegra, qui est pour moi une révélation de l'année avec ce qu'il a eu à réaliser du côté de la Côte d'Ivoire lors de la récente Coupe d'Afrique des Nations. Vous avez aussi un Chancel Mbemba, certes, qui est mis de côté cette année avec Marseille, mais il faudrait regarder sa saison où il était parmi, je pense, il a battu même le record de Basile Boli en étant le défenseur qui a marqué plus de buts en compétition. Et il a été aussi le meilleur européen, africain par la RFI. Tout à fait, meilleur buteur en termes de défenseur du côté de Marseille. Il était aussi parmi les meilleurs buteurs du club la saison dernière. Exactement. Il a joué pour la cinquième fois depuis qu'il a commencé avec le Léopard de la RDC la Coupe d'Afrique des Nations, et cette fois-ci il a emmené l'équipe au niveau de demi-finale. C'est deuxième fois énorme, voilà, deuxième fois à pouvoir disputer le demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations, mais cette fois c'était lui le capitaine. Il a amené toute une génération, qu'on peut dire que c'est la génération Chancel Mbemba, et c'est quand même quelqu'un qui a une réputation. Il se retrouve dans cette liste pour la deuxième fois, parce que déjà l'année dernière le trophée qu'a remporté Osimhen, il était là, et cette fois-ci il se retrouve encore dans cette liste, bien que le joueur connaît un tout petit peu de problèmes avec son club qui est Marseille. Hormis Chancel Mbemba, que grâce à bien épinglé, est-ce que vous pensez que d'autres noms devraient se retrouver sur cette liste? Par exemple, Simon Adingra, vous avez soulevé un point très important pour dire que lorsqu'il y a une compétition majeure dans une année, ça pèse dans la balance, et surtout lorsqu'on veut octroyer des trophées pareils. Simon Adingra est arrivé en quart de finale en huitième de finale. Adingra a remporté la CAN avec la Côte d'Ivoire. Avec la Côte, il est arrivé. En étant l'homme providentiel, d'ailleurs. On se souviendra de son impact. Voilà. Et aussi, il y a Guirassy, qui n'a pas aussi été aussi brillant au niveau de la CAN, mais qui se retrouve quand même sur cette liste. On va dire ce que les deux méritaient quand même de se retrouver. Avant de parler réellement de ceux qui sont là, moi j'aimerais dire un tout petit mot, parce que à la sortie de la liste, les top 10 de cette CAF à Award, il y a eu plusieurs réactions en termes des joueurs absents parmi les nominés pour les meilleurs joueurs africains, les ballons d'or africains. On parle d'un certain les Brahim Diaz, les joueurs du Real Madrid, les Marocains. Exactement. Qui est absent de cette liste. Il a remporté la Ligue des Champions avec les Real Madrid. C'est là où je reviens, que lorsque dans une année, il y a une compétition continentale qui se joue au même moment, c'est la compétition continentale qui prend les dessus. Et lui, il est arrivé après la Coupe d'Afrique des Nations. Il a opté pour le Maroc après la Coupe d'Afrique des Nations. Donc,
tout ce qui a été pour le Maroc lors de la Coupe d'Afrique des Nations, il n'a pas participé. Et on parle aussi de Mohamed Salah, l'Égyptien de Liverpool, qui a marqué beaucoup de buts la saison dernière avec Liverpool. Il a encore été impactant, même si son club n'a pas terminé parmi les deux premiers de ces championnats anglais, mais il a marqué beaucoup de buts. Son impact a été visible. Mais là où il a pêché, c'est que avec la Coupe d'Afrique des Nations, il n'a pas joué avec l'Égypte. Il a été blessé, obligé de rentrer se faire soigner avec Liverpool. Ça, c'est encore un élément qui fait en sorte que Mohamed Salah ne s'y retrouve pas dans cette liste finale des 10 joueurs nominés pour les meilleurs joueurs africains. On parle de Sadio Mané aussi, qui a aussi joué avec la sélection sénégalaise, mais qui n'est pas parmi les top 10 de cette liste. Mais maintenant, là, j'ai parlé des joueurs qui n'ont pas bien brillé lors de la Coupe d'Afrique des Nations et qui ne figurent pas. Mais moi, maintenant, je suis inquiet de voir un joueur qui n'a pas brillé en Coupe d'Afrique des Nations, non plus avec son club, Amine Gouiri, mais qui se retrouve parmi les top 10 des meilleurs joueurs africains. Je suis surpris. J'y suis surpris, moi, personnellement. On voulait peut-être compléter la liste. Ah ben bien sûr. Si on doit tenir compte de cela, d'ailleurs, même Pierre-Emerick Aubameyang, j'allais oublier, qui a été tout feu, tout flamme la saison dernière avec l'Olympique de Marseille. Il a été un joueur nouveau avec l'Olympique de Marseille, mais qui ne figure pas parce que il n'a pas joué non plus la Coupe d'Afrique des Nations. Les Gabons n'étaient pas qualifiés pour jouer la Coupe d'Afrique des Nations. Voilà. C'est parmi ces genres d'éléments qu'on arrive à déceler l'importance d'une CAN. J'ai l'impression comme si lorsqu'ils font des évaluations pour sortir des listes, c'est pareil. C'est comme si ils prennent des personnes qui ne suivent pas la Ligue des Champions, la Coupe de la Confédération. Non, mais au niveau continental, il y a des joueurs comme Taraba, l'avant-centre de Al Ahly, qui enchaîne deux saisons comme ça en Ligue des Champions. Mais pourquoi pas? Pourquoi ne pas? Non, mais moi, je pense que d'après ce que Patrick est en train de dire, ce que j'ai compris au niveau de la CAF, on essaie de donner plus d'importance aux joueurs qui participent aux compétitions de la CAF, peu importe leur nature. Mais si on voit vraiment, bon, il est champion d'Afrique pas assez avec impactant, Al Ahly. C'est ça, le péché pour les Égyptiens. Le plus bon problème, c'est Mohamed Salah et l'autre, c'est ça. C'est de voir leur un tout petit peu leur performance en club, mais en majeure partie leur impact au niveau des compétitions de la CAF, à l'occurrence de la CAN qui s'est jouée récemment au niveau de la Côte d'Ivoire. Le performance individuelle, on doit cumuler les dés en fait. Certes, ouais, on doit cumuler les dés. On comprend, on va passer rapidement pour commenter aussi la liste de Goalkeeper of the Year Men, le meilleur gardien de l'année côté masculin. Dans le top 10, on signale Oussama Benbot, le gardien le gardien algérien André Onana de Manchester United, et gardien de la sélection camerounaise Yaya Fofana, le gardien de la sélection ivoirienne. Il y a Mostafa Chobeir, le portier de Al Ahly, il est d'ailleurs remplaçant, mais c'est quand même le portier, il est à l'Ali. Il est remplaçant également au niveau de l'équipe nationale. Il y a Djigui Diarra, le gardien guinéen, qui est aussi portier au niveau de Young Africans. Il y a Mounir El Tajoui, le gardien de la Renaissance sportive de Berkane, qui a fait aussi le Jeux Olympiques avec l'équipe nationale du Maroc. Il y a Stanley Nwabali, gardien de l'équipe nationale du Nigeria. Il y a Amanala Memish, le gardien de l'Espérance de Tunis et de l'équipe nationale de la Tunisie. Il y a Ronan Williams, capitaine de Mamelodi Sundowns et de l'équipe nationale de Bafana Bafana, ainsi que le gardien congolais de Rodez, Lionel Mpassi. Ah oui, il a fait aussi parler de lui, hein, à un moment donné. Et surtout avec ses buts qu'il a marqués le week-end dernier. Ah, ça a confirmé aussi sa présence dans cette liste top 10 de meilleurs gardiens africains. Mais si on essaie un tout petit peu de revenir dans ce qu'il a eu à réaliser dans la cage de la République démocratique du Congo, vous allez voir que quand il a commencé, ses gardiens n'encaissaient pas. Il n'a pas encaissé, je pense, pendant plus de 3 matchs. Et après, il est parti au niveau de la CAN. Il a aussi fait parler de lui en étant l'artisan majeur de la qualification de la RDC pour
le quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Vous vous souvenez de ce penalty face au gardien égyptien. Son nom m'a échappé un tout petit peu. Chenaoui. Gabaski. Voilà. Abou Gabal. Donc, c'était vraiment énorme de prendre cette responsabilité afin de convertir ces tirs au but et qualifier son pays pour le quart de finale. Donc je pense que c'est un gardien aussi qui mérite d'être sur cette liste. Mais ma plus grande un tout petit peu inquiétude, c'est aussi ne pas avoir Yacine Bono, qui est le gardien titulaire du Maroc, ne pas se retrouver dans cette liste. Oui, il faudra toujours prendre en compte. Bon, comme Patrick l'a dit, c'est la CAN qui pèse un tout petit peu parce que voilà, il faut confirmer à la CAN une compétition qui se joue que pendant un mois. Mais Yacine Bono a été un homme énorme avec son club Al Hilal au niveau de l'Arabie Saoudite. Il a remporté le championnat, y compris la coupe du roi au niveau de l'Arabie Saoudite. Il a même parvenu à arrêter un tir au but au niveau de la finale. Certes, le Maroc n'est pas allé si loin au niveau de la Coupe d'Afrique des Nations, mais ce gardien là a quand même eu à faire sa saison. D'où, certes, il pouvait pas gagner ce titre, mais au moins se retrouver dans la liste de top 10, puisque il le mérite selon mon avis. À votre avis, il le mérite. On va parler de plusieurs autres gardiens, comme par exemple Chenaoui, qui ne figure pas sur cette liste, mais son remplaçant, bien sûr, comme également grâce à souligner les cas du gardien marocain Bono, qui ne figure pas sur cette liste. Il y a également Ronan Williams qui a fait une saison exceptionnelle. D'abord, commençant par l'Africa Football League, où il est allé remporter cette compétition au niveau de la CAN, où il joue un match de quart de finale face au Cap-Vert. Tout à fait. Et il arrête 4 pénaltys pendant la séance des tirs au but. Ou également, il participe, il est le seul joueur évoluant en Afrique à figurer pour le compte d'un trophée international comme le Ballon d'Or au niveau de France Football, où il a été classé sur la liste de meilleurs gardiens pour le trophée Yachine, voilà. Mais il y a un autre gardien qu'on connaît peut-être pas, qu'on parle peu de lui, c'est Amanala Memich, le gardien, le portier de l'Espérance de Tunis, qui a réalisé cette saison au niveau de la Ligue des Champions 13 matchs joués, 1170 minutes disputées, 4 buts encaissés, 2 matchs perdus, 11 clean sheets. Donc sur les 13 matchs, il n'a pas encaissé dans 11 matchs. C'est largement peut-être suffisant pour ces gardiens de se positionner dans le top 3. En réalité, s'il n'y avait pas la Coupe d'Afrique des Nations, je pense même qu'il y a plus de 5 gardiens qui se retrouvent parmi les 10 nominés cette récompense n'aurait pas eu leur place, parce que la Coupe d'Afrique des Nations a pesé. Si on voit déjà là, on a les 3 gardiens qui ont fini parmi les 4 meilleures nations de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Yaya Fofana, les gardiens de l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire. Vous avez Williams, les meilleurs gardiens d'ailleurs de la compétition et capitaine de la sélection sud-africaine. Vous avez Lionel Mpassi qui a terminé 4e de cette compétition, et puis Nwabali, les vice-champions de la sélection nigériane. Donc vous avez déjà ces 4 là qui marquent qui marquent les top 10, notamment des meilleurs gardiens cette année en Afrique. Mais s'il n'y avait pas la Coupe d'Afrique des Nations, des gardiens tels que Memich allaient être un vrai prétendant de Williams pour cette récompense, parce qu'il a fait énorme pour son équipe lors de la Ligue des Champions de la CAF. Mais quand on revient, qui a eu la Coupe d'Afrique des Nations, c'est là où il est un tout petit peu défavorisé. C'est là et Fofana, le portier de la Côte d'Ivoire, mais il n'a pas été excellent plus que Ronan Williams, parce que dans la même compétition, c'est Ronan Williams qui a été élu meilleur gardien. En réalité, moi je pense
que c'est Ronald Williams qui sera sans doute et sans discussion les meilleurs gardiens africains cette année, puisque déjà les voir nominés dans cette récompense internationale de moi je pense qu'il est déjà le favori. Quand on parle d'un gardien qui a arrêté 17 pénaltys cette année toute compétition confondue, on parle d'un gardien qui a fait 4 arrêts lors de la séance des tirs au but lors de la Coupe d'Afrique des Nations. Je pense que là déjà, c'est seulement contre le Cap Vert. Ouais, bien sûr. Contre la RDC, c'était 2. Ouais, bien sûr. Mais, on a dit 17. Ouais. Moi j'ai parlé des 17 ouais. L'année 2024. À la CAN, c'est 4. À 4 pour une seule rencontre. Et si on doit rajouter les autres et face à la République démocratique du Congo, c'est immense. C'est un gardien qui a été meilleur gardien de la Coupe d'Afrique des Nations, meilleur gardien de la Super League africaine. Il a fait énormément également lors de la Ligue des Champions de la CAF. Je pense que c'est les favoris idéal pour l'Afrique pour remporter cette trophée. Au-delà de son âge, je pense qu'il est en train vraiment de mûrir en termes de personnalité sur le terrain et en dehors du terrain. Je pense qu'il n'y a pas photo. C'est vrai, Yaya Fofana a remporté la Coupe d'Afrique des Nations avec la Côte d'Ivoire. Mais si on doit mettre dans l'ensemble avec ce que Williams a fait en club et en équipe nationale, William d'ailleurs est sorti meilleur gardien dans une compétition où Yaya Fofana a remporté. C'est pour autant dire que c'est les favoris de cette récompense. C'est les favoris de cette récompense. On va peut-être tourner cette page de la CAF Award. Mais aussi, il faudrait signaler que la RDC se retrouve sur la liste de meilleures équipes africaines dans le top 10. On va pas commenter là-dessus. Et également, le tout-puissant Mazembe qui a vu son nom être figuré sur la liste de meilleurs clubs africains dès l'année. On va tourner la page, on va parler un tout petit peu de l'Europe. Ça sera peut-être pour la première fois dans cette émission Samedi Sport, mais nous nous sommes sentis quand même obligés d'en parler. Le Ballon d'Or France Football, remporté lundi dernier par l'Espagnol Rodri au détriment de Vinicius Junior et Jude Bellingham. Qu'est-ce qui s'est passé? Samuel Motoni et Théo Diamangoula reviennent sur cette émission. La planète football s'enflamme alors que tous les projecteurs étaient braqués sur Vinicius Junior qui enchaîne des dribbles et accélérations dévastatrices sous les maillots du Real Madrid. C'est finalement Rodri, le métronome de Manchester City, qui s'est vu décerner les prestigieux ballons d'or 2024. Et là, le scandale éclate. Dans les tribunes du Santiago Bernabéu, on digère très mal cette décision. Comment le joyau brésilien qui fait trembler les défenseurs les plus aguerris et régale les fans avec ses chevauchés magiques a-t-il pu passer à côté de ses trophées? Le Real Madrid vexé a boycotté la cérémonie. Dans la capitale espagnole, on ne parle que de ça. Vinicius, c'était lui, le ballon d'or. Clament les supporters, la gorge nouée des frustrations. Les analystes madrilènes montent au créneau. Rodri, c'est un joueur solide, indispensable certes, mais il n'a pas l'étincelle de Vinicius. Comment peut-on récompenser un joueur qui sécurise quand un autre enflamme tout un stade? La polémique enfle sur les plateaux télé. Ceux qui louent la régularité implacable de Rodri, homme de l'ombre, qui a permis à Manchester City de soulever la Ligue des Champions. De l'autre côté, les puristes qui estiment qu'un ballon d'or se doit de célébrer les spectacles. La magie du football, incarnée par les fulgurances de Vinicius. Mais au fond, ce trophée est-il encore le reflet du football champagne que le monde réclame? Ou s'agit-il désormais de récompenser la rigueur tactique et les soldats du milieu de terrain? La réponse au cours de ce numéro. Allez, vous avez tout suivi, peut-être vous n'avez pas tout compris. Voilà, nos intervenants sur ce plateau vont réagir sur cette question. Grâce à vous, on parlerait. Soyez précis, en tout cas, puisque là, nous sommes au dernier virage de l'émission. Je ne veux pas vous arrêter. J'aimerais que vous soyez aussi précis dans vos argumentaires. On parlerait du racisme dans l'octroi de ces ballons d'or, oubliant que ça se passe au niveau des votes. Bon, moi, je ne parlerai jamais de ce racisme dans un plateau de télé. Mais moi, je parlerai peut-être de malhonnêteté à un moment donné. En ce qui concerne ce ballon d'or, Patrick, au début de l'émission, l'avait énuméré que le ballon d'or avait perdu son sens depuis quelques années. Vous savez, je vais pas prendre quelques exemples ici, mais bon, à un moment donné, Patrick était en train de dire aussi que on prend beaucoup plus en considération la compétition la plus prestigieuse.
d'autres compétitions qui se déroulent la même année que les autres compétitions qu'on a l'habitude de suivre, le championnat et la Ligue des Champions. Comme cette année, mais on va tenir compte de la CAN, de l'Euro, de la Copa América. Tout à fait. Et quand on parle de ces deux hommes, il faudrait aussi voir leur importance dans ce qu'ils ont eu à réaliser. Mais je pense, statistiquement parlant, quand on commence d'abord par les performances individuelles, on va voir que Vinicius est largement au-dessus de Rodri. Oui, certes, Rodri a été un atout majeur dans l'effectif de Guardiola avec Manchester City. Il a aussi réalisé un très bon parcours avec l'Espagne au niveau de l'Euro. Mais dans l'ensemble, je pense que ces ballons d'or là revient à Vinicius Junior, qui a fait vraiment une saison énorme avec le Real de Madrid. Lui aussi, à son tour, il a été plébiscité meilleur joueur de la Ligue des Champions. On va voir son impact dans l'ensemble de matchs réalisés par le Merengue tout au long de la saison dernière. On évoque un moment côté à Rodri, le fait qu'il a gagné aussi la Super Coupe d'Europe avec Manchester City. Il a gagné au début de la saison d'avant, je pense dernière ou d'avant, la Coupe du Monde de club. Mais à peine Vinicius venait aussi de remporter la Super Coupe d'Europe avec le Real de Madrid. Il y a quelques points similaires, mais après, je pense que dans l'ensemble, en termes de performance, c'est Vinicius qui mérite ce ballon d'or. Et bon, France Football, à un moment donné, perd un tout petit peu. Parce qu'il y a eu, des votes. Oui, il peut y avoir toujours de votes, mais je pense que à un moment donné. Est-ce que vous pensez que ces votes ont été trompés? Mais je vais revenir à la réalité. Hein. Patrick a parlé de cette compétition majeure qui se joue la même année qu'est d'autres compétitions, par rapport peut-être le championnat et la Ligue des Champions. Mais je vous ramène dans la réalité où il y avait un certain Lionel Messi qui est passé à côté de sa Coupe du Monde en 2010 avec l'Argentine, mais qui vous gagne le ballon d'or, mais il a remporté le championnat seulement. Il te remporte la Super Coupe européenne. Et si on essaie de revenir un tout petit peu en arrière, vous allez voir, il a gagné la Coupe du Monde de club avec le FC Barcelone, ouais, avant de venir à la Coupe du Monde. Ouais. Donc, mais quand on parle de trophées, quand on parle d'impact, quand on parle de statistiques, bon, pas statistiques en termes de buts, mais quand on parle de l'implication de ce que Iniesta a apporté, il était largement supérieur par rapport à Lionel Messi. Mais le seul péché, c'est de se retrouver avec un certain Lionel Messi qui était l'un des meilleurs buteurs du FC Barcelone à l'époque. 70 buts et marque tout au long de la saison. Mais quand on essaye de regarder le trophée majeur qu'a remporté Iniesta, c'était la Coupe du Monde. Et quand on essaie aussi de voir un gars comme Schneider qui te gagne la Ligue des Champions, qui te joue aussi la finale de la Coupe du Monde, c'est lui aussi qui méritait ces ballons d'or là. Mais bon, aujourd'hui, on essaye quand même de nous faire revenir à cette réalité pour dire que c'est Rodri qui gagne l'Euro. Et c'est lui qui doit absolument gagner le ballon d'or. On va un tout petit peu s'attarder sur les trois dates importantes de Rodri. Le 25 mai 2024, il a vu une folle de série d'invincibilité s'arrêter. Une folle de série de 74 matchs sans défaite avec Manchester City le 14 juillet 2024. Il est sur le toit de l'Europe. Il remporte l'Euro, comme vous l'aviez si bien souligné, mais aussi ces quatre années successives où il a pu remporter le championnat d'Angleterre. Bien sûr, je reste dans vos arguments de dire que voilà, parce qu'il a gagné l'Euro sur le plan individuel, vous avez peut-être raison que Vinicius est largement devant, mais sur le plan collectif, il est peut-être aussi demain. Avant d'aller chez Patrick, très rapidement, je sais, c'est un titre individuel ou c'est un titre collectif. Mais est-ce que le titre collectif doit peser sur la balance, d'autant plus qu'il y a eu de performances individuelles? C'est sans le vote. Non, mais c'est tronqué à un moment donné. Je pense que ça a perdu de saveur. Allez-y. En réalité, moi, je pense que à un certain moment, je sens comme si les critères établis par France Football semblaient vagues, puisqu'on doit nous dire clairement. Est-ce c'est la Ligue des Champions qui est la compétition impactante pour décerner les ballons d'or? Puisque
j'ai constaté que depuis un moment, pour être un vrai ballon d'or, il faut être impactant lors de la Ligue des Champions. Et le vainqueur de la... Est-ce que Vinicius était impactant lors de la Ligue des Champions? Bien sûr, mais ce qui a fait en sorte que Vinicius... l'homme clé? Ce qui a fait en sorte que Vinicius soit compté parmi les favoris du ballon d'or, c'est la Ligue des Champions. Ça, on ne doit pas... On ne doit pas les nier. Vous parlez du but. En termes de but, on parle d'un joueur qui n'a pas été meilleur buteur de la Liga. Un joueur qui n'a pas été meilleur passeur de la Liga. Un joueur qui n'a pas été meilleur buteur de la Copa América. Un joueur qui n'a pas été meilleur buteur de la Ligue des Champions de l'UEFA. Un joueur qui a été simplement publicité meilleur joueur de l'UEFA. Donc, à mon humble avis, si Vinicius est publicité Ballon d'Or aujourd'hui, c'est parce qu'il a été meilleur joueur de la Ligue des Champions de l'UEFA. Donc, je me demande, est-ce que pour être élu Ballon d'Or, on doit à tout prix être meilleur joueur de la Ligue des Champions? Si c'est les critères idéaux, je pense que c'est Vinicius qui mérite sans discussion le Ballon d'Or. Et c'est ce qui se passe depuis plusieurs années. On a vu Benzema être impeccable, tout feu tout flamme en Ligue des Champions, remporter les Ballons d'Or. On a vu Cristiano Ronaldo à maintes reprises remporter les Ballons d'Or puisqu'il a été brillant en Ligue des Champions avec des records immenses, 17 buts marqués et tout ça. On a vu Lionel Messi à un certain moment remporter des Ballons d'Or puisqu'il a été brillant en Ligue des Champions de l'UEFA. Moi, je me demande, bon, est-ce c'est les critères premiers pour remporter les Ballons d'Or? C'est la Ligue des Champions. Ça, c'est d'abord la première question. Et deuxièmement, on parle d'une année où il y a eu accumulation des compétitions. On parle de l'Euro, on parle de la Copa América, on parle de la Coupe d'Afrique des Nations, sans compter les autres compétitions continentales. On parle de statistiques individuelles. On doit également savoir que dans une équipe au football, il n'y a pas que les attaquants, parce que leurs rôles sont redistribués. Un gardien ne peut pas marquer des buts. Un milieu de terrain ne peut pas faire les rôles d'un attaquant, et un défenseur non plus ne peut se transformer en attaquant. Un gardien peut quand être on parle, artisan majeur. Ouais, bien sûr. Quand on parle d'une performance individuelle, pour les cas de Vinicius Junior, il doit marquer et faire marquer ses coéquipiers. Ce qu'il a rempli avec brio. Ça, je n'en doute pas. Mais quand on parle des performances individuelles des Rodri, est-ce que ça doit être marqué début? Non, je ne pense pas. Les performances des Rodri doivent être, de permettre à son équipe de ne pas perdre, de permettre à son équipe de garder l'invincibilité. Vous avez souligné un record immense de plus de 70 matchs sans défaite. Et à tout moment, à chaque moment que Rodri a joué avec Manchester City, on a senti un club très à l'aise. Quand Rodri joue avec Manchester, vous sentez que même Guardiola est à l'aise. Vous sentez que même Guardiola sent qu'il y a une sécurité pour son équipe, puisque son rôle principal, c'est d'être sentinelle de la défense. Et il est rempli avec brio. Selon les lambda où vous parlez, selon France Football. Selon ce que les gens pensent. Si je reviens sur ce que vous venez d'avancer, je dirais en 2012, par exemple, Messi remporte le Ballon d'Or. Il n'a pas gagné la Ligue des Champions, mais il a marqué plus de 90 buts. Voilà. C'était un record immense. C'est là où je dis que les critères semblent un tout petit peu ambigus. Parce qu'on nous parle des performances individuelles. Révélons-nous à la réalité de 2010. À décrire cette réalité-là, que Messi gagne la Ligue des Champions. Alors que il y a des autres, par exemple, rapidement faire les parallélismes entre Vinicius en quelques secondes. Vinicius et Lionel Messi en 2021, si je ne me trompe pas, Messi gagne le Ballon d'Or. On dit qu'il ne mérite pas de gagner le Ballon d'Or alors qu'il a marqué plus de 30 quelques buts cette saison-là, avec plus de passes décisives, plusieurs fois élu homme du match lors de l'année civile. Contrairement à Vinicius Junior, je me dis qu'à un certain moment, les côtés fans prennent plus que le côté réalité lorsqu'on arrive à voter. Et je vais faire une proposition. Si pour France Football, pour avoir un peu de crédibilité, il ne faudra plus voter en ligne, faudra qu'on nous ramène les votes comme on les fait dans des pays. On met des urnes comme ça, là on appelle les journalistes qui votent les mêmes jours. Et ils sont là-bas. Ouais, bien sûr. Pour avoir une crédibilité, parce que ça sent, on dirait que les résultats des fois sont falsifiés et les gens sont déroutés de fois. Ils sont là-bas en France, dans la salle, ils attendent tous le résultat. On sait que c'est 100 journalistes qui votent. Ouais. Ramène-nous les 100 journalistes dans la salle, on met des urnes et on dit, bon, par exemple, les votes vont durer une heure. On vote et on compile les résultats, comme ça, là, il y aura une crédibilité. Merci, Jean-Marie, à la fin, grâce. Vous avez ajouté, on est arrivé totalement à la fin.
Non, il y a rien à ajouter. Merci beaucoup. Tout est clair. On va peut-être en parler prochainement, mais nous sommes arrivés forcément à la fin de l'émission. Nous sommes contraints de stopper l'émission pour ne pas déroger le programme. Merci beaucoup de nous avoir suivis ce soir. On se retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir pour un tout nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.